trouve ça aberrant qu'une femme, ça puisse porter des pantalons, en fait. Une femme, c'est fait pour porter des robes. Si cette phrase vous choque, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre. J'espère que vous allez bien, mes petits loulous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet où ça va être un petit peu du débat. Vraiment, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse sacrément quand même. Je veux vraiment des échanges, évidemment, dans le respect. De toute manière, tout commentaire non respectueux n'arrivera même pas, en fait, dans les commentaires, hein, puisqu'il y a une modération qui est faite. Donc, évidemment, si vous mettez des commentaires pas forcément sympathiques et très irrespectueux envers les autres, hein, envers tous, ils n'atteindront même pas, en fait, des commentaires. Ils ne seront même pas lus, donc ça ne sert à rien. Ce sera juste une terrible perte de temps, en fait. On va parler de la relation libre, on va parler des triades, on va parler du polyamour, on va parler vraiment de ces trois choses-là précisément. On va pas spécialement s'éterniser sur d'autres sujets, sur d'autres points, mais plus tard peut-être dans une autre vidéo. Je vais commencer cette vidéo par vous donner des définitions. La définition exacte donc de la relation libre, la définition du polyamour et la définition de la triade qu'on appelle aussi trouple, le mot un petit peu à la mode. La relation libre, c'est le droit d'aller voir ailleurs, hein, donc d'avoir des rapports avec d'autres personnes ou de flirter avec d'autres personnes, tout simplement. Dans la relation libre, le couple a le droit d'aller voir ailleurs tant qu'il n'y a pas de sentiment, hein, tant que ce n'est pas une relation sentimentale, mais que c'est tout simplement donc des rapports ou du flirt. Le polyamour, c'est quand chaque personne du couple, ou dans ce cas tout simplement une seule des personnes du couple, peut très bien tomber amoureux, amoureuse d'une autre personne. Avec évidemment le consentement et les connaissances justement de cette situation de la part de tous. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui est donc en couple avec un homme, admettons, et qui tombe amoureuse d'une femme ou d'un homme, hein, peu importe, qui tombe amoureuse d'une autre personne, du moins, et qui décide de vivre des relations sentimentales également, véritablement, hein, des relations amoureuses avec une autre personne. Sauf que elle ne trompe pas son partenaire pour la simple et bonne raison que son partenaire est au courant et qu'il est consentant dans cette situation. Son partenaire, lui aussi, peut être polyamoureux et tomber amoureux de d'autres personnes, ou il peut ne pas être polyamoureux et tout simplement être dans l'acceptation totale et non forcée de la situation par rapport à sa femme. La triade, qu'on appelle aussi le trouple, voilà, c'est un petit peu le mot qui est un petit peu plus connu, mais à la base, ça s'appelle une triade. C'est lorsque trois personnes sont ensemble et sont tout amoureuses les unes des autres, tout simplement. Alors ça peut être trois femmes, trois hommes, deux femmes et un homme, deux hommes et une femme, peu importe, ils sont tous amoureux les uns des autres. Ces mots et ces situations ont souvent tendance à choquer, bien plus que l'infidélité. Et c'est ça, justement, dont on va parler aujourd'hui, et c'est sur ça que va se positionner notre débat, justement. Mais moi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de problématique, absolument pas. Le polyamour, la triade, le couple libre, c'est quelque chose que je respecte totalement. Si certaines personnes ne sont pas en accord pour des convictions personnelles ou autres, vous pouvez le dire, on peut en parler, on peut débattre dans les commentaires. Au contraire, c'est vraiment le respect des choix, des avis, de chacun, en fait. Je ne vais pas vous dire « Ouais, le polyamour, c'est super, le couple libre, c'est super, machin, je suis totalement contre... Enfin, » Non, absolument pas. Moi, j'ai tout simplement essayé de partir sur ma propre pensée, sur pourquoi est-ce que pour moi, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Pour moi, vivre de cette manière-là, c'est vivre en accord total avec ses sentiments, en accord avec ses émotions, en accord avec ses désirs. C'est-à-dire que si on ressent le désir d'aller voir ailleurs, plutôt que de tromper son partenaire, il vaut mieux être totalement dans l'honnêteté et faire les choses naturellement. Si on ressent le besoin dans notre vie d'avoir plusieurs partenaires ou d'être en couple avec plusieurs personnes, enfin, ou du moins de former donc une triade, ou de tout simplement, on sait qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps, c'est son propre choix, voilà, c'est sa manière de vivre. Tant qu'on respecte la personne avec qui on est, tant qu'on respecte notre partenaire et qu'on ne le force pas, surtout, à être dans l'acceptation de ça. Les personnes qui fonctionnent ainsi vivent sans se brider, en fait, et sans se baser sur ce qu'ils ont appris, parce que c'est là que je vais en venir, c'est à partir de là que je vais poser mes arguments. Ce besoin d'exclusivité m'interpelle un petit peu.
C'est qu'on nous a vraiment éduqués de cette manière-là. C'est dans les codes, c'est dans notre culture, c'est dans nos traditions, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais les codes de la société évoluent sans cesse. Par exemple, l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quelque chose qui était totalement, mais vraiment dramatique avant. Pour certaines personnes aujourd'hui, c'est encore vraiment problématique. Certaines personnes ne sont pas du tout en acceptation avec ça, hein, n'acceptent absolument pas ça. Mais avant, c'était vraiment quelque chose de très grave. Vraiment quelque chose de qui n'était pas du tout accepté. À une certaine époque, l'homosexualité était punie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si pour certaines personnes, elles ont encore du mal avec ça. Je vais donner des pourcentages qui ne sont absolument pas les pourcentages réels, mais je vais vous donner un petit exemple de ce que je pense être la réalité. Admettons qu'il y a certaines années, 95% des personnes n'acceptaient absolument pas l'homosexualité parce que c'était puni et parce que c'était véritablement interdit. Et d'un autre côté, aujourd'hui, l'homosexualité est peut-être acceptée par 50, voire même par 70% de la population. Là, je vais vraiment me baser sur la France, même sur l'Europe globalement, peut-être. Allez, on va partir sur l'Europe. Europe, je vais me baser là-dessus. C'est le sentiment que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai absolument pas les pourcentages réels, mais c'est le sentiment qu'on a globalement. On sait qu'avant, ce n'était pas possible. On est rentré dans un système où pour nous, il y a une certaine normalité. D'ailleurs, normal, ce mot est un mot qui m'écœure au possible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est normal ? Il faut être normal. Normal, c'est faire comme tout le monde, c'est faire comme on nous dit qu'il faut faire, c'est suivre les codes tout simplement de notre société, être dans la normalité. Pour moi, avoir ce mode de vie, ce n'est pas du tout vivre dans le mensonge, c'est vraiment être honnête. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui vivent l'infidélité, hein, et plus de personnes qui commettent des adultères que de personnes qui vivent de cette manière-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça signifie que tu te forces quelque part à être dans l'acceptation de la tromperie de ton partenaire. Non, 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 pas du tout. Pour vous expliquer tout ça, je vais partir sur ma propre expérience personnelle. J'ai été en couple, moi, à un moment donné dans ma vie, avec une personne avec qui nous avions une relation totalement exclusive, hein, voilà, et sachant que j'étais très, 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 très jalouse et très, 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 très possessive. Cet homme, un jour, est venu vers moi en me disant « Écoute, tu m'apportes beaucoup dans ma vie, mais j'ai le sentiment de ressentir quelque chose pour une autre personne. Or, toi, je t'aime plus que cette personne-là. » Alors moi, j'ai très très mal pris les choses, mais véritablement, ça a été un désastre pour moi à cette époque-là parce que j'étais très très jalouse et très très possessive. Et ça a été un drame absolu, vraiment. Je vous parle de mon expérience personnelle, hein. Donc là, c'est vraiment moi qui étais en couple avec un homme et cet homme qui, donc, avait des sentiments qui commençaient à développer pour notre femme. Mais pour d'autres personnes, c'est l'homme qui a des sentiments pour notre femme ou deux femmes qui sont en couple et une d'entre elles qui a des sentiments pour notre femme, etc. etc. Donc voilà, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire oui, mais c'est parce qu'il a essayé te soumettre, machin chose, etc. ou qu'il était infidèle. Non, 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 non. Voilà. Moi, je vous parle de mon expérience, mais sachez que ça se passe aussi dans d'autres couples. Il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, je suis honnête avec toi, je ne veux pas te tromper. J'ai vu, je vois cette femme, et à chaque fois que je la vois, j'ai des petits, voilà, il m'arrive quelque chose, et j'ai véritablement des sentiments pour elle. Je sens que je commence vraiment à avoir des sentiments pour elle. Sauf que toi, c'est différent. Et à force d'en discuter, il s'est rendu compte que effectivement, c'était pas qu'il m'aimait plus, c'est juste qu'il m'aimait différemment de cette personne-là. L'amour n'était pas le même. Ils étaient au même niveau. Ils nous aimaient autant, l'une que l'autre, mais différemment. Et moi, jalouse comme j'étais, c'était « Alors là, on se sépare, dégage de ma vie, je veux plus jamais entendre parler de toi. » Sauf que, un jour, j'ai rencontré cette femme, par pure coïncidence. Je me suis séparée de cet homme-là. J'avais toujours des sentiments pour lui, mais je ne voulais plus de cette relation parce que, voilà, tout simplement, il aimait une autre femme, donc pour moi c'était inconcevable, et ni plus ni moins. Il ne m'avait pas trompée, donc j'en suis quittée dans de bons termes, mais j'avais toujours des sentiments pour lui. J'étais un petit peu triste de ne plus être avec lui, et un jour j'ai rencontré cette femme sans savoir que c'était elle, par pure coïncidence. Et moi, j'ai développé des sentiments pour cette femme. Voilà, 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 voilà. Et là, quand je me suis rendu compte que c'était elle, je me suis dit, mais c'est ridicule. Il l'aime. Elle l'aime. Je l'aime lui. Je l'aime elle. Je peux aimer deux personnes. D'accord. Ok, c'est faisable. Mais je ne les aime pas de la même manière. Et là, j'ai compris ce qu'il m'avait dit. Et je me suis dit, avec ta jalousie et ta possessivité, comment ça se passe? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans une situation géniale. Parce que je pouvais être avec les deux personnes que j'aime et ces deux personnes-là pouvaient être heureuses parce qu'elles étaient elles aussi avec les deux personnes qu'elles aimaient. Et c'est là, ce jour-là, que j'ai compris ce que c'était que
être dans une triade ou ce que c'était que le polyamour. Alors, je me suis donc rendu compte que il valait mieux effectivement être dans une relation où on est totalement dans l'honnêteté qu'être dans une relation où on finit par être sans cesse dans l'inquiétude, sans cesse avoir peur que notre partenaire nous trompe, que notre partenaire aille voir ailleurs. Certains couples évidemment vivent dans une confiance absolue et c'est d'ailleurs comme ça que devrait fonctionner le couple. On devrait avoir véritablement confiance en son partenaire parce qu'on devrait vivre dans un monde où on peut se dire les choses avec beaucoup d'honnêteté. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui vienne vous voir et vous dise j'ai des sentiments pour une autre personne, qu'est-ce qu'on fait, qu'avoir quelqu'un qui aille voir ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a plus d'infidélité que de personnes qui vivent ce type de situation-là. Alors moi, j'avais totalement confiance en mon partenaire, mais j'avais quand même de la jalousie et de la possessivité. Cette jalousie et cette possessivité s'appliquaient d'une manière où si je savais qu'il allait voir une autre femme, là je devenais jalouse et je devenais possessive, si je savais qu'il allait la voir pour quelque chose de plus qu'une relation purement amicale. Hein, là, oui, je savais que je pouvais être très jalouse et très possessive. En revanche, je savais pertinemment qu'il pouvait avoir des amis, des copines, s'entendre avec des femmes, il n'y avait aucun problème, ça ne me posait pas spécialement de soucis, on avait des amis en commun. On avait des couples d'amis en commun, je ne faisais pas de crise de jalousie pour ça en fait. Parce que j'avais confiance en mon partenaire, et d'ailleurs j'ai eu raison de lui faire confiance puisqu'il a été honnête avec moi le jour où il sentait qu'il pouvait peut-être aller voir ailleurs. Alors vous qui me regardez, vous devez peut-être vous dire, mais oui, mais déjà si tu as en tête l'idée d'aller voir quelqu'un, déjà si tu as des sentiments pour une autre personne, alors tu es en couple avec une personne, c'est déjà de ne pas respecter la personne avec qui tu es. Mais non, ça c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est la culture, c'est la manière dont vous fonctionnez dans votre vie parce que vous avez été bercé ainsi, qui vous laisse penser ça. Les sentiments ne se contrôlent pas, ils ne se contrôlent absolument pas. C'est parce que vous n'avez jamais vécu cette situation-là que vous ne pouvez pas la comprendre. Et surtout parce que vous avez été forgé de cette manière-là. C'est un petit peu comme être hypnotisé en quelque sorte. Toute votre vie, on vous a mis quelque chose en tête, donc pour vous, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Une fois de plus, je vais poser mes arguments, vous allez comprendre. Ailleurs, sur la Terre, par exemple, il y a d'autres endroits où c'est totalement différent. Ici, ça vous choque, mais pas ailleurs. Vous pouvez mettre les pieds sur un autre continent et voir des personnes qui vivent avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Bon, là, on part sur de la polygamie, ce qui n'a aucun rapport avec le polyamour, mais je vous donne cet exemple-là, c'est l'exemple que je trouve. Admettons, vous allez donc dans un autre pays, puis vous voyez des personnes qui vivent dans ce type de situation-là. Ça ne vous choque pas particulièrement parce que ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur tradition, de leur coutume, ça fait partie de leur mode de vie, et pour eux c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Ces femmes-là, ces hommes-là ne sont pas choqués par ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Pour eux c'est normal. Il y a également des endroits où la relation libre, il y a des endroits dans le monde où la relation libre est tout à fait normale pour tout le monde, et c'est quelque chose de simple en fait, hein. Ça ne choque personne, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, c'est comme ça que fonctionne leur culture là où ils sont. Selon l'endroit où vous êtes né et selon l'endroit où vous avez vécu, où vous avez grandi et évolué, vous pensez d'une manière totalement différente. Alors évidemment, la religion aussi entre en compte, mais il n'y a pas que cela. Ces personnes-là qui vivent ailleurs dans le monde et qui sont totalement en acceptation avec ça et qui trouvent que ça est normal ne sont pas forcément des mauvaises personnes, ce sont juste des personnes différentes de nous. Alors toi qui me regardes derrière ton écran, je te dis, on vit dans un monde où la différence fait peur. Il suffit d'avoir des personnes différentes de soi et là, c'est le drame. C'est la seule chose qui véritablement fait qu'on prend autant de distance avec ces personnes-là, c'est qu'elles sont différentes de nous. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elles font de mal ? Rien. Elles font tout simplement ce qu'on leur a appris à faire, parce que pour elles, c'est normal. Une fois de plus, ce mot me perturbe, mais alors j'ai du mal avec ce mot normal, hein. On l'utilise souvent, mais j'ai beaucoup de mal avec quand même. Par exemple, à une autre époque, autant que l'homosexualité, il y avait également d'autres choses qui n'étaient absolument pas acceptées. Si toi qui me regardes, tu es contre l'homosexualité, tu ne comprends pas ce que je te dis parce que tu te fies simplement à cet exemple que je t'ai donné, mais pour toi, tu es contre. Mais il y a autre chose. Les rapports dans un couple avant le mariage. À une certaine époque, c'était un drame absolu, c'était catastrophique, c'était pas possible du tout de faire ça. Alors une fois de plus, il n'y a pas que l'aspect religieux, il y a aussi autre chose, il y a véritablement la culture, il y a le mode de vie, tout ça, je vais pas le répéter 10 000 fois, mais l'environnement dans lequel on évolue nous pousse à penser certaines choses et au fil des années, ces codes-là évoluent.
à une certaine époque, un homme pouvait très bien être marié à une femme et aller voir ailleurs tant qu'il le veut et sa femme n'avait rien à dire. Et ça, pour tout le monde, c'était normal. En revanche, si la femme, elle, allait voir ailleurs, c'était autre chose. Elle perdait tout, elle n'avait plus de vie, c'était un désastre, la fin des temps. À cette époque-là, c'était comme ça dans tous les couples, c'était comme ça tout le temps, globalement. Un homme pouvait aller voir ailleurs très régulièrement et personne ne disait rien, il n'y avait aucun problème, c'était normal. Il pouvait être en couple, ouvertement, tous les amis, toute la famille, tout le monde, sa femme savait qu'il allait voir ailleurs et elle ne pouvait rien dire. C'est pas que ça choquait et que bah, les gens se soumettaient à ça, c'est juste que c'était normal, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est différent. Pour certaines personnes, ça arrive parce que ben, malheureusement, il y a des problèmes dans les couples. Mais aujourd'hui, globalement, un homme ne peut pas décemment aller voir ailleurs, le dire ouvertement à tout le monde, le dire aux parents de sa femme, le dire à ses parents, le dire à ses frères et sœurs, le dire à tout le monde, le dire à sa femme, et qu'elle n'a pas son mot à dire et que tout va bien. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, en France, on parle d'infidélité, on parle de tromperie. Avant, on ne parlait pas de ça. Avant, c'était normal pour l'homme, mais ça n'était pas pour la femme. Tout comme l'homosexualité avant n'était pas acceptée, mais l'est aujourd'hui pour la majorité de la population. Tout comme le rapport avant le mariage, avant, était un drame absolu, ce n'était absolument pas faisable, alors là tu pouvais complètement même ne pas pouvoir en fait tout simplement te marier parce que tu avais déjà eu des rapports avant, à l'heure d'aujourd'hui, ici en France, ce n'est pas du tout un problème, la majorité des personnes peuvent très bien avoir des rapports avant le mariage. Et quand je dis rapport avant le mariage, je ne parle pas de rapport avec d'autres personnes spécialement. Avant, tu n'avais pas le droit. Avant, tu n'avais pas le droit d'avoir des rapports avec d'autres personnes, mais non plus avec ton conjoint. À une certaine époque, tu ne pouvais même pas être avec quelqu'un sans être marié. Vous ne pouvez même pas envisager une seule seconde d'avoir un rapport, ni ne serait-ce qu'un petit bisou avant de vous marier. Les personnes qui ont vécu à cette époque, si aujourd'hui, si on pouvait remonter en arrière et leur dire « Ah ben regardez aujourd'hui comment ça se passe », ils nous rigoleraient au nez, ils seraient outrés, scandalisés de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Et c'est la même chose pour nous. Nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants vivront dans un environnement différent. Peut-être que, à cette époque-là, ils pourront très bien vivre des relations de polyamour et ce sera tout à fait normal, tout comme aujourd'hui, avoir un rapport avant le mariage est normal. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas l'évolution. Comme on vit à notre époque, on reste véritablement figé à notre époque et on ne cherche pas à comprendre les choses. Donc on n'est pas dans l'acceptation de l'évolution. Et c'est important de l'être. Je ne dis pas qu'il faut qu'on vive tous des relations de polyamour parce que non, une relation de polyamour ne nous correspond pas à tous. Absolument pas. Je dis juste qu'il faut respecter les personnes qui vivent comme ça. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des personnes veulent vivre en couple avec une certaine exclusivité et c'est normal. Oh, bon sang que ce mot m'agace, vous voyez, on passe notre vie à l'employer, mais je l'aime pas en fait, mais je l'emploie comme tout le monde. Voilà. Du moins, pour nous, c'est une relation saine, en fait, la relation de couple. Voilà, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait évident, et c'est comme ça que ça doit se passer, une relation de couple. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est parce que soi-même, on est à l'aise à l'idée d'être en couple. Mais si demain, vous avez l'envie d'aller voir ailleurs... Eh bien, il faut avoir l'honnêteté de dire à votre partenaire et peut-être envisager effectivement une relation de polyamour plutôt que de tromper votre partenaire. Et si plus de personnes voyaient les choses de cette manière-là, eh bien, on n'en serait pas là. Moi, nombreuses sont les personnes qui viennent me voir en me disant « Bah oui, mais j'ai subi ça, c'est très difficile pour moi. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en personne, je ne suis pas bien, je le vis très mal. » Si on vivait un petit peu plus comme des personnes totalement libres d'esprit et totalement ouvertes, peut-être que ça serait différent. Je vous invite à aller en commentaire me donner votre avis sur ce sujet-là, parce qu'une fois de plus, je le répète, on est dans un débat, on est dans un échange, dans le respect, on peut ne pas être d'accord, mais juste se respecter les uns les autres, et échanger, et pourquoi pas changer d'avis, justement. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir discuter tous ensemble, quand même, les gars. Personnellement, je pense que à une époque qui arrivera sûrement si la Terre existe encore à ce moment-là, je pense que clairement ils vont rigoler en se disant ah ben oh, avant ils vivaient en couple, ils avaient de l'exclusivité, ils pouvaient même pas s'amuser et tout, ils pouvaient même pas être libres, ils pouvaient même pas être amoureux de d'autres personnes, vous imaginez, franchement c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils étaient ridicules, bon sang. Tout comme nous aujourd'hui, on trouve totalement ridicule le fait de devoir être marié de force, le fait de pouvoir aller voir ailleurs, le fait que l'homme seulement puisse aller voir ailleurs et pas la femme, ou le fait de ne pas pouvoir faire ne serait-ce qu'un bisou avant le mariage.
Nous, aujourd'hui, pour la majorité des personnes, on trouve ça risible. Mais à une certaine époque, c'était évident. C'est pour ça que je n'aime absolument pas le terme « vivre avec son époque ». Alors ça, j'ai du mal. Non, on ne doit pas vivre avec notre époque. On doit vivre avec nos sentiments et nos émotions bien personnelles. Il y a beaucoup de personnes qui ont été éduquées d'une manière, mais qui pensent différemment. Il faut vivre vraiment en accord avec nos émotions. Pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas d'accord avec cette expression-là. Non, on vit pas avec notre époque. On vit simplement avec nous-mêmes et avec le respect de nous-mêmes, le respect de nos émotions, le respect de nos sentiments, le respect de nos désirs et le respect de ceux des autres également. Alors pour moi, on peut aimer plusieurs personnes, mais on les aime d'une manière différente, tout simplement. On les aime peut-être au même niveau, mais on a un amour qui est tout simplement différent parce que les personnes sont différentes. Voilà, c'était le sujet de débat du jour, c'était le sujet d'échange, et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, et surtout, vous pouvez suivre la page sur Facebook et me suivre sur Instagram, et venir également donner votre avis sur ce sujet là aussi. Vous pouvez également faire un petit tour sur mon site internet. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le thème puisque c'est vous qui choisissez le thème de mes vidéos. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Salut !